Thank you.
Thank you.
such a bad friend. Eh bien, bonsoir. Et bonsoir. C'est vous qui avez demandé un taxi? Oui, c'est ça, c'est moi. Attendez, je me mets derrière quand même. Bah, comme vous préférez. Ah, bah, j'arrive même pas à aller derrière. Bon, bah, forcément. Désolé. Ah, c'est terrible. Ouais. Mais ouais, c'est moi qui ai appelé pour aller au SMS. Très bien, bien. C'est parti. Merci beaucoup. Que s'est-il passé? Écrasé par un camion. Oh là là. Mais ça, c'est le problème avec les gens par ici, ils ne savent pas conduire. Ouais. C'est ça le. Ouais. Mais bon. Je te fais un check-up là et forcément. Pardon? Je dois faire un check-up là et forcément. Ah oui. Ah oui, bah le jour, je me suis fait renverser par une voiture. Et vous allez bien? Voilà, ça va mieux. C'est pour ça que je peux conduire, d'ailleurs. J'ai eu quelques problèmes à la hanche, mais fort heureusement, ce n'était pas à haute vitesse. Ça va alors. Et voilà. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Faut que je raconte, faut que je paye. Oui, effectivement, je vais vous faire la facture. Allez. Alors. Ça fera 175 $. Ok. C'est payé. Et parfait. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. Merci.
Bonsoir, Michael, comment vas-tu? Oui, allô? Bien le bonsoir. Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est vraiment étrange. De se tutoyer. Ah oui, mais c'est ce qu'on fait quand on est amis, Michael. C'est ce qu'on fait quand? Quand on est amis, Michael. Oui, effectivement. Ça reste étrange. Pourquoi j'ai appelé? Parce que j'avais une question par rapport aux taxes. C'est bien ce soir? Oui, c'est ce soir. D'accord, parce que le G6 ne m'a toujours pas donné de nouvelles. Ouais. Alors, ça tombe bien, on en a... Ouais. Là, je pensais à la question. À la base, je venais plus vous appeler pour savoir comment tu allais. D'accord. Bah, écoute, G6 finira pas de donner des nouvelles, je n'en doute pas, hein. Très bien. Voilà, c'est terrible. Bon, ça c'est plus ou moins bien fini par rapport à l'histoire d'Amaro. Du coup, t'as pu discuter avec lui? Plus ou moins, parce qu'il n'avait pas d'argument, parce qu'il me disait juste des insultes, mais quand je lui demandais pourquoi, il n'arrivait pas à me trouver de raison. Ce qui est quand même plus ou moins terrible. Mais il a fini par s'excuser. Bon, je doute que ses excuses étaient sincères, je pense que c'était plus par rapport au fait qu'il était agacé et qu'il voulait en finir, mais voilà. Après, il a précisé que si je lui donnais un ordre, même dans le cadre du travail, il n'y répondrait pas. Nous verrons bien. Tu m'as l'air sans voix, ma chère Charlotte. Non, c'est juste que... Ouais. Mais t'as des nouvelles d'Amaro depuis? Depuis hier soir? Oui. Non. D'accord. Non, c'est juste pour savoir. D'accord, la question reste curieuse. Mais non, nous avons discuté hier soir, il était passablement agacé, mais... D'accord. Passablement pénible également. Et en dehors de ça, je mais n'ai pas eu vraiment de nouvelles. Autre chose. Oh là là. Comment ça, oh là là? Voilà, ça me fait peur quand tu dis ça. Ah non, non, c'est juste que tu as dit passablement agacé, passablement pas mal de choses, donc ah oui. Pour la boutade. Ah oui, bah très bien. Ah oui, non, mais moi j'étais parti pour des sanctions, parce que je suis quand même son supérieur, mais... Bon, les autres patrons en ont décidé autrement. D'accord, d'accord. Et toi, du coup, ça s'est bien passé hier soir? Oui, c'était calme. En fin de soirée. Parfait. Parfait, parfait. Bon, j'espère que ça va bien se passer pour toi ce soir. Je te souhaite bien du courage. Ah bah, ça... Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ah, c'est les premières taxes, forcément, ça impressionne un petit peu. Ah, c'est... Je crois que j'avais déjà récupéré des taxes de leur part. À un moment donné où le patron n'était pas là. D'accord. Donc, bon, la seule différence, c'est que là, je n'aurais pas besoin de leur faire une facture. Je pourrais simplement... Comme on dit, prendre dans les fonds de l'entreprise directement. Ah oui, effectivement. Mais voilà me concernant. Bon, je vais les contacter. D'accord, bon, allez, bonne soirée, Michael. Bonne soirée à toi, ma chère Charlotte. Merci.
Et rebonsoir. Et rebonsoir. Cette fois, je monte bien derrière. Hop. Ouais, c'est. Du coup, c'est pour retourner chez moi. Je vous mets le point. Et forcément. Alors, qu'est-ce que ça dit? Encore plâtré et forcément. Je dois refaire un check-up demain. Oh là là. Ça, ça doit être difficile pour le travail. Ah bah je peux pas travailler, c'est simple. Hein. On peut essayer de travailler, je peux en faire. Mais il n'y a pas de la paperasse à faire où vous travaillez? Pas pour moi. Ah. Non, mais ouais, forcément. Là, c'est... Je sais pas, j'étais pris. C'est terrible. Alors, si vous voulez, je connais une bonne psychologue. Non, merci, c'est bon. Bon, j'en connais peut-être même deux. Et un en devenir. Je vais devenir, c'est... Le docteur oui, Place. Je me disais bien. Ouais, je sais pas, je pense pas que j'ai besoin d'un médecin. Là. Enfin, j'ai pas besoin d'un psychologue plutôt. D'accord. Après, ça vous doit, effectivement. C'est selon votre état de tristesse. Non, ça va passer. C'est juste la douleur, et du coup, je pense à des trucs, ça me fait chier, mais bon. Bon, allez. Alors. Ouais. Putain, chaque fois, je bouge le pied. Pute. Merci. Merci, passez une bonne soirée. Et un plaisir, bonne soirée. Bonne soirée. Eh bien, le bonsoir. Petite révision réparation. Ah oui, plus réparation nettoyage que révision là, en l'occurrence. Aïe, aïe, encore le gang des poteaux. Ah non, là c'est les gens qui ne savent pas conduire. Ah oui. Mais j'ai eu que des clients qui étaient désagréables. Alors. Là, je suis passablement énervé. Peut-être se poser des questions dans ce cas-là. Non. Ah oui, mais je me pose la question de est-ce que je devrais vraiment les prendre en course. Oui, effectivement. Peut-être se poser pourquoi ils sont énervés. Il est pas les jouer par ça.
Et on est tout bon. C'est terrible parce que je viens de voir les fenêtres se rebriser. Ah, vous êtes sûr? Ah, je suis sûr de moi. Ah, du coup, c'était bien vous le problème. Pardon? Il était plus vous le problème que la voiture. Parce que pour moi, elles sont toutes intactes. Ah bah, c'est terrible. Alors, attendez, c'est... Parce que si je monte dedans, voir. Je vais essayer, mais... Et du coup? Bah, elles sont toujours cassées. Eh bien. Parce que vous les voyez correctement? Moi, je vois le taxi complètement réparé, oui. Hop. Et là? Voilà, ça m'a l'air bon. Bon, ben... Vas-y, monte dedans au cas où. Bon, ça m'a l'air bon. Eh ben, nickel. Bien, bonne soirée à vous. À vous aussi, bon courage. Non, c'est définitivement pas bon. On serait mettre là dans un garage, je pense, parce que ouais, c'est vous devez avoir des petits soucis là. Oui, je vais essayer de faire ça. Attendez, je peux peut-être jamais mettre pour vous dans un garage, je reviens si vous voulez. Vas-y. Est-ce que c'est mieux? Bon bah parfait, bah je vais essayer de repartir avec, si ça ne marche pas, je la mettrai dans un garage dans le nôtre. Oui, c'est ça, oui, c'est d'aller consulter le docteur Lobby, peut-être. Oui, peut-être. Bon, eh bien, bonne soirée à vous. À vous aussi. Thank you.
Thank you.
Tu vas arrêter de remplir ta voiture. Oula. Allez, approche vers nous. Allez, dépêche-toi. Non, ça n'a pas tout ton temps. Ah, mais j'ai rien fait. Tu montes à l'arrière. Allez, dépêche-toi. Mao, tu vas monter à l'arrière avec lui. On a le temps. Tu prends son téléphone, sa radio, tous ses moyens de communication. Je prends tout. Je te prends ton téléphone, ta radio. Est-ce que t'as des armes sur toi? J'ai un point américain. Ça va, tu peux garder. T'as pas de flingue? Pardon? T'as pas de flingue? Non. Ok. Ton téléphone et ta radio seront rendus après. T'inquiète. On arrive, on est à 500 mètres. C'est quoi ton nom? Michael. Comment? Michael. Ouais, comment? Peterson. Mike. Ok. Ok, on vous ramène Michael Peterson. C'est vraiment une soirée de merde. Pourquoi? Ah, il y a des soirées comme ça, elles sont pas ouf. Allez. Voilà. Hop, allez, tu vas descendre. Et tu les rejoins les autres. Et tu attends, avant ça, tu vas mettre allez, communication dans le coffre. D'accord. Dépêche-toi. C'est bon, j'ai mis mes radios et mes téléphones. Allez, maintenant tu vas dans la bijouterie. Voilà. Entre où il y a les deux sièges. Les deux là, s'il vous plaît, allez. Toi, on t'a tout pris, toi? Ah, on m'a pris mes téléphones et mes radios. Ok. T'as pas d'armes? Ah bah non, j'ai un point américain. Ok. Ah bah du coup, toi, je sais. Du coup, c'est quoi ton petit nom à toi? Michael. Michael comment? Peterson. Ok. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré? Ouais. Le homard. Ok. Toi, c'est quoi ton petit nom? Axel comment? Le Murdoch. Et ton plat préféré? Les sushis. Les sushis? Ouais. Ok. Bon, vous vous doutez que c'est pas contre vous qu'on vous a pris. Moi, je commence à me poser des questions. Pourquoi? Il m'arrive que des merdes. Ouais, mais après, je peux pas gérer votre destin non plus. Bon, mais il n'y aura pas de problème. Ah bah tant que vous faites pas de gestes de travers, tout se passera bien. Vous pouvez 1, 2, 3, vous pouvez baisser les mains. Ok. Ah bah ça marche. On va éviter les crampes quand même. Ouais. Ok, nickel. Donc bon bah toi je sais où tu travailles, hein, c'est marqué sur ton pull, et toi tu travailles dans quoi? Chez les taxis. Je suis copatron. Chez les taxis. Copatron, d'accord. Et toi, t'as quel rang au resto? Copatron aussi également. Oh, on a deux grosses têtes là. Ouais, je sais pas. Bah, deux patrons, ça se négocie bien quoi. Ah, dans ce sens-là? Ouais, bah ouais. Alors, ça dépend. Ouais. Ça dépend avec qui vous négociez. Bah, à votre avis, on va négocier avec qui? J'ai bien l'impression on va pas négocier avec les SMS. Oui, effectivement. Mais je veux dire, ah, oui. ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui ne m'apprécient pas, donc si vous essayez de me négocier avec eux, ça ira pas, quoi. Comme qui? Je ne préfère pas dire de nom. T'en as beaucoup trop dit, là, j'ai envie de savoir, maintenant. T'as pas le droit de me faire souffrir comme ça? Bah... Donne-moi des petites infos, fais croquer! Ah bah... Ouais? Le problème c'est que je ne veux vexer personne, alors comme je ne sais pas qui vous êtes, je préfère pas vous vexer. Bah dites, tout ce qui est dit dans cette bijouterie reste dans cette bijouterie, hein? Alors par exemple, si vous me donnez votre nom, ça reste dans cette bijouterie. Vous croyez vraiment que je vais vous donner mon nom? Bah non, mais c'était pour vous dire que... Attends, il est débile, ça, j'arrive en plein milieu d'une discussion, mais il est débile.
Si je voulais que les gens savent mon nom, j'aurais pas mis un masque. Non, mais pour vous dire que effectivement, tout ce qui se passe dans cette bijouterie, ça peut être facilement ouvert à l'interprétation. Non, mais avec ce que vous allez me dire vous. Ah oui. Moi, je vais pas vous mentir, mais vous aurez aucune info de ma part. Non, c'est terrible. Ah ouais. Non, mais de toute façon, vous mentez un peu parce que tout ce qui est dans la bijouterie restera pas dans la bijouterie. Alors, c'est à part les bijoux, oui. Tout le reste restera dans la bijouterie. Ah oui, merci d'apprécier. Oui, bah oui, quand même. Enfin, oui, on n'est pas venu ici pour boire le thé. Ouais, c'est pas là pour beurrer les sandwichs, oui. Exactement. D'ailleurs, vous avez faim, vous avez soif, n'hésitez pas à demander. Hein. Ouais. Pour l'instant, ça va. Ouais, pour l'instant, ça va. Enfin, à la limite, je vais peut-être boire un truc. Si vous n'avez pas, vous pouvez demander aussi. J'ai tout ce qu'il vous faut. Non, mais là, je peux boire un truc ou pas? Oh, n'hésitez pas à manger, à boire. Hein. Ok. Pas besoin de me demander si vous avez faim, vous avez soif, n'hésitez pas. Hein. Nickel. Quand même, c'est pas une dictature ici. Hein. Ah, mais c'était pour ça la question sur le plat préféré. Ouais. Alors du coup, si je demande du homard, est-ce que c'est bon? Ah bah du coup, non, j'ai pas préparé du homard dans mon sac. Oh, c'est terrible. Vous pouvez comprendre, c'est compliqué d'avoir des homards dans le sac. Ah oui, ça ne reste pas frais très longtemps. Bah ouais, c'est comme les sushis, du coup, j'en ai pas non plus. Ouais. C'est compliqué. Ouais, se trimballer avec un plateau de sushis, c'est... Bah ouais, puis bon, ça reste du poisson, ça tourne vite, quoi. Si proche que ça? Ça te dérange? Non, c'était juste une remarque. Je me suis posé juste là, après, si ça te dérange. Hein. Non. Ça changera pas forcément grand-chose. Mais... Oui, je me doute, oui. Mais c'était pas... Il n'y avait pas de raison particulière. Ok. Donc du coup, si tu veux savoir, lui, son plat préféré, c'est le homard. D'accord. Et lui, c'est les sushis. En parlant de plat, après, vu que tu es au resto, t'as pas des trucs à bouffer? Bah là, sur moi, j'ai deux burgers, c'est tout. Ah ouais, c'est bien. Bah, à la limite, j'ai une bière aussi. Ah, trop bien! Ouais. Vous voulez ma bière? Non, il n'y a pas du grand cru? Non. Ah non, j'ai pas de grand cru, non. Non, c'est bon, je vais pas voir tout de suite. Non, je me balade pas avec des bouteilles de pif dans les poches, non. On sait jamais, hein. Ouais, non. Il y a l'alcool, mais je suis pas un pochetron non plus, quand même. Mais non, c'est des petites réserves personnelles. Mmh. Le grand cru, c'est pas pour picoler. C'est pour apprécier. C'est dégueulasse, un grand cru. De toute façon, il y a vraiment que les bobos qui boivent ça. J'avoue, c'est pas... Il faut savoir l'apprécier. Mais on peut picoler et apprécier, non? N'empêche pas l'autre. Hein. Oula. Oui, mais il y a, par exemple, comme la bière de dégustation et la bière de soif. Ouais. Ah moi, une session IPA, je vais pas la boire si j'ai soif. Je vais la boire si j'ai envie de boire une bonne bière. Après, ça dépend. C'est pareil, ouais. c'est comme le soju. Hein. Si tu le bois pas parce que c'est bon, tu bois ça parce que t'as envie de pas te coliser la gueule, quoi. Ouais. Bah après, comme la plupart de l'alcool aussi, enfin... Ouais, il y en a, ils boivent ça juste par plaisir. Hein. Après, c'est vrai qu'un bon petit whisky avec deux glaçons en fin de journée, là... Moi, je suis bien d'accord. Bah moi, pas tant que ça, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire que les glaçons... Il vaut mieux des glaçons en pierre. En pierre froide. Comme ça n'altère pas le goût. Ah bah ah oui, comme ça, là, au final, tu te retrouves pas avec un peu d'eau dans ton whisky, quoi. Mais le mec, il est riche. Bah ça coûte pas si cher que ça, hein. Pour 50$, t'en as 6, hein. En vrai, je me demande s'il a de la thune sur lui, là. Bah, tu peux lui demander, hein. T'as de la thune sur toi? C'est pas une bonne réponse, ça. Oui ou non. Alors, c'est terrible, parce que je n'ai pas grand-chose. Alors, ah, merde, si un faux riche. Si tu veux savoir, on a le patron des taxis, et le patron... Enfin, les copatrons du taxi et le copatron du resto. Oh putain, on est bien! Comme j'ai dit, je pense que ça se négocie bien, ça. Hein. Ça se négocie bien, ça.
Après, moi, tant que je sors, vous pouvez me négocier à n'importe quel prix. Bah, on verra bien ce qu'ils vont nous proposer, hein. Alors, moi, je veux pas être dévétiste, mais ouais. Disons que je suis pas très bien vu, moi. Ah. Ah merde. Ouais, non, mais c'est pas... Comment ça, vous n'êtes pas très bien vu? Oh, bah, je sais pas. Du côté du commissariat, je crois pas que j'ai une grosse cote d'amour. Axel Murdoch et Michael Peterson. Mais bon. Ah, mais dans ce cas, ça veut dire que je vais pouvoir peut-être sortir en premier. Ah, franchement, je suis prêt à vous faire un petit pari là-dessus. Parfait. Eh bien sûr, on va les faire un petit billet de 1000, ça vous dit ou pas? On va faire une petite sortie. Et allez. Les deux. Hein. Allez. Et stop devant la voiture. Ok. Hop à la vachette. Nickel. Ils ont pas été malmenés ni quoi que ce soit. Non, j'ai pas encore tapé. Pour en témoigner au médecin. J'ai pas encore tapé. Et pourtant, il en a envie. Et pas de soucis. Si vous pouvez continuer à pas frapper, c'est très bien. Oui, vous le faites très bien. Ah ouais? Ouais. C'est bien, tu fais bien ton taf, Astrid. Vous êtes sûr, genre des petites buffs derrière la tête, ça vous plairait pas? Après, c'est amical, hein. Ah bah alors ça. Et pas de soucis. Alors ça ne me plairait pas, mais ça serait contre-productif. Pourquoi? Bah, ça n'avancerait pas le projet. Ah, mais. Vous... T'as pas envie d'un petit patte-patte là avec mon flingue sur la tête? Bah non, pas tellement. Après, vous savez que si on vous tape, du coup, après, on vous redonne au gentil monsieur devant nous. Vous demandez pour aller voir un médecin, un psychologue, ouais. Et vous pouvez vous faire 2000$. Hein. Ouais, mais 2000$ en vrai, bat un peu les couilles. Hein. Ouais, non, mais je donne l'info. Non, mais c'est bien, il faut informer, c'est bien. Il y a des otages, quand je leur donne l'info, ils me disent tapez-moi. Hein. Non, ah, vraiment? Ah ouais. Non, mais dans quel monde vit-on? Ouais. Bah, il y en a, ils sont, ouais. Même moi, parfois, ils me font peur. Après, c'est probablement des pauvres, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ah, ils n'ont pas vraiment le choix. Ah, peut-être, ouais. Ah bah oui. Vous allez avancer un tout petit peu. Allez, avancez un peu. Juste là, devant le capot, là. Là, devant là, 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 là. Ah, pardon. Chacun devant un phare. Okay. Le laissez-moi voilà. En arriver. Est-ce que ce serait possible de faire avancer les otages au niveau du pot de fleurs qu'il y a là? Carrément pas. Pour que le SMS puisse vérifier que tout va bien. À la poubelle. Eh bien sûr, on va les faire avancer. On va faire avancer les otages. Ouais, j'en ai derrière. Allez, on avance. Vous nous suivez? Oui. Passez. Encore. Avancez encore. Allez, on s'arrête là. Stop. Mets-toi à la même hauteur que ton collègue. C'est possible de les avancer un petit peu plus, s'il vous plaît? Je pense que à cette distance, ça devrait être pas mal. Oui, vous pouvez avancer, les médecins. Baissez les mains. Bonsoir. On peut laisser les mains ici? Oui, baissez les mains. Monsieur Michael et chaton, comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Tu peux baisser les mains. C'est vraiment une soirée de merde. Ok, vous avez pris des coups quelque part, vous avez mal en partie, un endroit en particulier, ou pour l'instant ça va? Non, pas spécifiquement. Tout va bien. Vous savez n'avoir rien mangé? Ils nous ont demandé nos plats préférés, mais après on ne les a pas eus. D'accord. Monsieur Michael. Oui. Écoutez-moi bien. Oui. Pour votre propre sécurité. Oui. Je vais vous demander de vous taire jusqu'à la fin de l'opération. Vous êtes désagréable. Alors, non, monsieur Michael, c'est pour votre sécurité, d'accord? Parce que là, je vous semblais vachement agacé. Entre vous et moi, je pense que c'est pas une très bonne idée de râler. Ok, monsieur Michael? Oui, mais ils étaient quand même plus agréables que vous, hein, je vais pas vous cacher. Ok. Vous devriez écouter les médecins. D'accord. Je pensais pas que quelqu'un avec une arme à feu serait plus agréable qu'un médecin, mais. Ouais. Écoutez, monsieur Michael, c'est pour votre sécurité, ok? Du coup, vous en faites pas, nous on vous attend, on vous attend là-bas, on part pas sans vous, ça va bien se passer. Est-ce que vous voulez qu'on prévienne quelqu'un en particulier?
Moi, il faudrait prévenir, si possible, Élise de Niort au resto. Élise, ok. Et vous, monsieur Michael? Moi, j'aurais bien prévenu les taxis, mais il n'y a personne qui travaille. À la limite, vous pouvez prévenir Charlotte. Charlotte de, et Élise. De la mairie. Charlotte, okay. C'est noté. Vous avez ce qu'il faut pour boire et manger sur vous? Oui. Normalement, oui, c'est bon. Ok. Courage, ça va bien se passer. Monsieur Michael, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. On en discute après, ok? D'accord, moi je ne dis plus rien. Parfait. Très bien, parfait. J'attends, courage. Oh yes. Ouais. Ça va bien se passer. Ouais. On va gentiment reculer un petit peu. Mmh. Jusqu'au capot de la voiture. Ok. On lève les mains ou pas? Non. Non, pas besoin. Ok, gardez les mains baissées. Ok, ok. Bon, très bien, du coup, apparemment les otages vont bien, donc c'est nickel. Du coup, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Je vais vous faire une proposition. On va faire d'une pierre deux coups. Vous faites retourner la VIR au poste. On libère les deux otages et on fait un départ propre, sans bavure, sans tir. Je vais voir avec mes collègues, mais ça devrait pas poser trop de... Attendez, c'était pas compté dans le pari, ça? Et parfait. Ah bah, désolé, écoutez. Pas tout à voir dans la vie. Après, s'il faut, ils vont refuser. Non. Mais en vrai, c'est une belle offre. Ils vont accepter. Tu penses qu'ils acceptent pas? Aussi, ils vont accepter. Non, je pense qu'ils vont accepter. Ouais. Moi, je pense qu'ils bluffent. Mais non, ils bluffent pas. C'est quoi ce qu'il a demandé? Un homard et une pizza à calzone. Non mais pas pour manger. Les demandes. Ah. Du coup, ce sera ok pour la visière. Ouais, quelque chose qui nous regarde pas, vous inquiétez pas. Enfin, si ça vous dérange pas, vous attendez que les agents reviennent sur place, que vous puissiez constater que tout va bien, qu'ils ont bien déposé la visière. Et ensuite, le départ propre, ce sera nickel pour nous. Ok, bah pas de soucis, on va faire comme ça alors. Nickel. Alors, je vais te rendre tes téléphones et tes radios, du coup. Bien sûr, tu sais que tu les utilises pas. Bah, c'est-à-dire que... Parce que si oui. Tu les utilises, là, il pourrait t'arriver des choses. Je suis à 2 cm de ta tête. Après, je vous avoue que j'ai personne à appeler, donc... Bah, ça tombe bien, mais parce qu'en plus, si je te vois utiliser quoi que ce soit, je colle mon petit flingue sur ta tête. Et c'est pareil, hein, tu l'utilises... Je comprends bien, mais encore une fois, j'ai aucun intérêt à appeler quelqu'un. De vous faire du mal alors que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Oui. Ça serait bête. C'est con, j'aurais bien aimé une tête qui explose. Moi, j'ai pas trop la tête à ça, pour rien vous cacher. Ah, vous avez juste une tête à claque. Non, moi, je pense que ta tête, elle exploserait bien. Waouh. Non, mais c'est outrageant d'entendre des choses comme ça. Désolé, c'était un petit mot pour détendre, désolé. Ça va, là, je me sens pas très détendu, là. Oh, ah ouais. Vaut mieux être une tête à claque qu'une tête qui explose, quand même. Je te jure, je peux dire oui, mais... Je suis en train de clash Michael, ça me termine. Tranquille.
Après, il a pas totalement tort. Hein. J'avoue qu'il a une petite tête à claque. Hein. Mais après, en fait, il fait très bobo et en fait, il a zéro thune. Ouais, c'est ça. Je n'ai rien sur moi, mais après, tout est sur mon compte. T'as combien sur ton compte? Ici ou à Seattle? Là, actuellement. Ah. Quelques centaines de milliers. Et la vérité? À Seattle, quelques centaines de millions. Et du coup, les agents viennent de revenir avec, du coup, une Buffalo. Et parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse avancer les otages sur les côtés, à gauche et droite, et que nous, on parte au milieu. Eh ben, allez, c'est parti. Au milieu, il y a un peu de fleurs, quand même. Hein. Non, mais t'inquiète. Vous marchez sur les deux trottoirs, les otages, à droite et à gauche. De chaque côté, sur les trottoirs, et vous avancez lentement. À moi, à droite. Okay. Okay. Vous suivez le véhicule. Moi, je vais sur la gauche. Ne bougez pas, messieurs. Restez sur place. Nickel, c'est bon. Pardon. Ok, ça va? Pas de bobo depuis? J'ai été psychologiquement agressé. Oui, ça je me doute en effet. Je vais peut-être laisser. Monsieur Peterson. D'accord. C'est dans nos procédures, monsieur Peterson. Hop. Eh bien. C'est bon, les CP sont partis, on est en train de récupérer. Tout est en ordre. Vous pouvez aller suivre le médecin, monsieur Peterson. Allez, suivez-moi. On va au niveau des ambulances, de l'ambulance, allez, Alexis. Que monsieur Michael, comment ça va? J'ai été agressé psychologiquement. Oui, j'imagine. On va en discuter à l'hôpital. On y va? Oui. Ok. On attend que. Andrew. Je voyais agiter les mains et tout là. Je me disais, il doit être encouragé. Super. T'encourager. Ok. Et bah du coup, on y va, on va se rendre à l'hôpital. Andrew et Lexi, on rentre à l'hôpital avec les deux otages. Et je crois que je sais pourquoi j'ai fait une mutite. Quoi? Parce que il y a eu le call du LSPD de fin de... Et bah pour une fois qu'on prévient qu'il quitte la radio. C'est ça, et sauf qu'en plus, en même temps, il y a Ashley qui a fait un call sur notre radio. Ah, j'ai pas entendu. Et les deux en même temps, c'était mort. Terrible. Hein. Monsieur Michael? Oui. Du coup, vous avez écouté ce que je vous ai dit? À quel moment? Quand je vous ai dit de vous taire jusqu'à la fin de l'opération. Ah oui, bah alors, j'ai fait de mon mieux, mais après, on m'a agressé psychologiquement. Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur Michael? Que j'étais une tête à claque. C'est vrai qu'ils ont été durs avec vous. Non, c'était le copain qui est avec moi qui a dit ça. J'aurais jamais osé dire ça. Ah, Axel, c'est toi qui lui as dit que c'était une tête à claque? Bah, ça a pu m'échapper, oui. C'est terrible de faire de la torture psychologique à son propre co-otage. Désolé. Oui, monsieur Michael, il s'est excusé. Okay. Attendez, monsieur Michael, il faut que je vous donne un truc quand même. Oui. Même si, tant pis. Mais en vrai, voilà. Ah bah. Merci, je ne sais pas comment vous appelez. Pour vous avancer. Axel. Pourquoi pas, ah oui. Merci. Merci mon cher Axel. On va peut-être se décaler. Je vais garer l'ambulance pour vous avancer. Vas-y, vas-y. Et bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Yeah. Déjà, est-ce que vous aviez des moyens de communication, téléphone, radio sur vous, ils vous ont rendu ou pas?
Oui, ils ont tout... enfin, moi, ils m'ont rendu... ils m'ont rendu également mes moyens. Ok. Comment vous vous sentez là actuellement? Ça va en vrai. Ok, monsieur Michael. Bah, j'ai eu des excuses. Bon, ça reste pas qu'ils ont aussi approuvé le fait que j'étais une tête à claque. Donc ça, je suis quand même toujours psychologiquement outré. Mm-hmm. Mais physiquement, ça va. Physiquement, ça va. Et okay. Okay. Mon taxi doit être toujours à la station-service. C'est quelle station-service qui était au taxi? À côté du With the News. Ok. Le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de le fermer. Ah merde. Si vous voulez, je peux vous ramener là-bas. Ce que j'allais vous dire, les taxis vont peut-être venir vous chercher, mais en fait, non. Du bah coup... ouais, non. Ah bah oui, non, je suis le seul taxi en et service. Oui, du coup, ouais. Ouais, mais je peux vous y amener, si vous voulez. Vous avez... ah bah je veux bien, oui, s'il vous plaît. Ok. Un bordel. Bah les... super, tu rentres dans l'ordre. Les taxes sont passées, putain, j'étais pas là. Ah bah oui, mais pareil. Oh bordel. Ah bah alors quelqu'un a vu. On a déplacé le taxi à la mairie pour le mettre en sécurité. Ah. Ça c'est beau ça. Parfait. Ah mais c'est Charlotte. Ah mais c'est vraiment... ah oui, j'ai dit aux personnes que vous m'avez demandé de prévenir que vous les préviendrez quand vous serez en sécurité. Okay. Ah oui, ah, mais c'est vraiment la meilleure. Ouais. J'aurais pas dit ça, mais oui. Ah, mais moi, je le dis. C'est super, monsieur Michael. Ok. Bon, bah, je vous accompagne, monsieur Michael, pardon. Bah, c'est-à-dire que, du coup, il est à la mairie, donc c'est peut-être moins urgent. Ouais, comme vous voulez, je peux vous emmener à la mairie, si vous voulez, pour le récupérer, votre taxi. Je demande. Sauf si vous avez quelqu'un qui veut venir vous récupérer ici directement, quelqu'un, pas de soucis. Non, il n'y a pas grand monde. J'ai un collègue qui vient de me dire bonsoir. Oui, c'est vrai que j'aurais quand même pu. Oui, mais il n'était pas là. Non, mais vous voyez à quel point les soirées sont compliquées. Oui. Bien sûr. Oui. Bon, j'ai enlevé mon gilet. Moi. Oui, allô. Salut, Elise. Ah, ça va? Non, ça ne va pas du tout. Je sors d'une prise d'otage. Oh putain, ah bon? Et alors, j'aurais besoin que vous veniez me chercher au LSMS. Ah, j'arrive. Ah, bah, parfait, je vous attends. Ok, à tout de suite. Très serviable. Ah oui. Ah oui. Bon, je vais appeler Charlotte pour lui demander où exactement est le... Exactement est le... Oui, allô? Bien sûr, je vais retirer mon gilet, moi aussi. Par contre, du coup... Oui. Ils sont passés, le G6 ou pas? Oui, je suis au SMS. D'accord. Est-ce qu'il y aura besoin qu'on vienne te chercher? Ok. Ouais, normalement, j'ai un collègue qui vient me chercher, mais alors, si je m'ai compris, le taxi est à la mairie. Ah, ok. Donc, ils sont courants. Oui, du coup... On a essayé de contacter les taxis, comme on n'a eu aucune réponse, on a eu un signalement pour un taxi abandonné depuis plusieurs dizaines de minutes dans une zone. Bah, effectivement, oui, c'était le mien. Merci. Et là, Ah bonsoir, monsieur Gabi. Ah bonsoir. Ah bah, très bien. Ça va. Parce qu'on avait peur qu'il était ouvert, que certaines personnes mal appris le prennent. Ah oui, parce que les derniers qui s'en sont approchés, bon, c'est moi qui les ont pris, mais... Bon, mais vous êtes quand même la meilleure. Du coup, moi, tu es quand même la meilleure. Chercher. Ok, parfait. C'est gentil, merci. Merci en tout cas, vous avez assuré comme d'hab. Mais vous êtes la meilleure. Ça va aller. Ah bah, j'ai été comment dire, psychologiquement agressé. Oui, ça, je m'en doute, oui. Non, mais c'était une boutade. On peut faire quelque chose pour vous, monsieur? Mais en dehors de ça, je n'ai pas été blessé. Ok, ça marche. D'accord. Bah, j'espère qu'ils vont pouvoir rattraper rapidement les personnes qui t'ont pris en otage. Ah bah, j'espère bien, mais d'ailleurs, il faut qu'on aille porter plainte. Deuxième otage va bien pour la personne qui est avec toi? Oui, j'ai l'impression qu'il va bien. Je devrais lui demander s'il discutait un petit peu avec lui pour être sûr, je pense. Bah, j'ai discuté un petit peu avec lui.
Il s'est excusé. Pour? Bah pour m'avoir psychologiquement agressé. Le deuxième otage? Ah oui. Pourquoi? Il a dit que j'avais une tête à claque. D'accord. Ah non, mais on est bien d'accord qu'il n'y a rien qui va. Ça doit dépendre de la situation, tu sais, il y a des personnes sous la pression qui disent des choses qui dépassent leurs pensées, ce genre de choses. Ah oui, mais j'ai bien compris que c'est apparemment c'était pour détendre l'atmosphère. Bon, moi, ça m'a plus agacé que détendu, mais après, il s'est excusé, donc tout va bien. Ah oui, effectivement. Bon, bah, du coup, à plus tard, Michael, je présume. Je peux venir chercher le taxi? Oui, oui, pas de soucis. Oui, oui. Bon, bah, on arrive. D'accord, bah, à tout de suite. À tout de suite. Très sympathique. Ah, mon cher Gabi. Oui. Vous tombez bien. Bon, du coup, on va aller chercher mon taxi, si c'est bon pour vous. Si c'est bon pour vous, on va pas vous retenir. On vous retient pas, hein, si vous voulez repartir et qu'il n'y a pas de souci pour vous. Vous y allez. Ah bah non, tout va bien. Les excuses ont été faites. Ils m'ont rendu mes moyens de communication. Je n'ai pas eu de mal physiquement. Eh bah, ben c'est parfait alors. Eh bah, ben en vous souhaitant une bonne soirée. Faites attention à vous. Bah, bonne soirée et merci. Faites attention à vous. Bon, et après, il faudra qu'on aille porter plainte, mon cher Gabi. Ouais. Autant que les Speedy est en opération, vous avez le temps pour y aller. D'accord, merci à vous. Ah oui, il a quand même raison. Ah bah oui. Ah mais heureusement que vous êtes arrivé au bon moment. Ah bah oui, il est où ton taxi? À la mairie. Oui, alors du coup... Ah, c'est terrible. Il faut que j'appelle aussi G6. Pourquoi? Bah, il devait venir récupérer les taxes, mais avec cette histoire, moi j'étais pas disponible. Ah bah oui. Michael, Jeff, t'as parlé de moi, non? Qui? Jeff. Oui, allô? Oui, bien le bonsoir, je suis Michael Peterson. Oui, j'ai appris ce qui s'est passé ce soir. Donc. Bah, y'a pas de taxi. D'accord, parfait. Alors, du coup. Voilà. Oui. Du coup, là, vous êtes toujours au SMS ou vous êtes. Je suis sorti du SMS, je vais récupérer mon taxi qui se trouve dans le garage de la mairie, donc il faut que je voie avec la mairie. Et après, je serai au dépôt. D'accord. Et bah, écoutez, si vous êtes OK pour faire les taxes ce soir, nous, ça nous dérange pas de. Venir à ce moment-là. Ah bah écoutez, je veux bien d'ici 15 minutes. Oui, d'ici 15 minutes, prenez votre temps, on n'est pas à 10-15 minutes près, il n'y a pas de souci. Ah bah parfait. Mais parfait. Écoutez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, alors, il faudra que je vais aller voir avec la mairie parce que elle m'a dit dans le garage, mais je ne sais pas où se trouve le garage de la mairie, donc je vais aller voir avec elle. Ok. Ah mais du coup, merci de m'avoir amené. Oh, mais il fallait que je te vois aussi. Ah oui, Michael, c'est moi, toujours. Jeff m'a dit... Il faut que je voie quelque chose avec vous. Oui. Que tu vois avec moi. Oui. Alors, c'est littéralement tout ce qu'il m'a dit, donc je ne sais pas. Ah bon? Ah, ok. Bah, c'est pour me passer au-dessus de mon grade de novice. D'accord. Passer expérimenté. Ah mais... Jeff, vous avez dit que c'était bon, finalement? Bah, il m'a dit que ça se ferait mardi, mais j'ai eu un petit problème. Je pouvais pas être là mardi. Alors. Je vais récupérer mon taxi et on va au dépôt. Ok. À tout de suite. Je viens avec toi, t'inquiète. Ah bah, pourquoi pas? Je vais pas te laisser seul alors que tu viens de te faire braquer. Ouais, je...
Écoutez, là, normalement, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Oui. Enfin, ça, c'est une expression. Oui, effectivement. Tu passes pas inaperçu et j'ai l'impression que t'as l'habitude de te faire braquer, du coup. Ah non, il m'arrive que des merdes, c'est incroyable. Hello. Merci. Bien le bonsoir. Comment allez-vous? Moi, nous, ça va. Ah, ça va. Eh bien, parfait. Oui. Et Gabi, ça va? Ouais, j'allais dire, parce qu'il y a Michael, mais je suis là aussi. Oui, non, mais... oui, pardon, désolé. Bah, bof. Ah. Compliqué. J'ai appris la disparition d'un ami, donc un peu chiant. Comment oui, ça oui. Amaro aurait disparu. Comment ça, il aurait disparu? Disparu, aucune trace. Hier soir. En même temps, c'est pas la première fois, c'est souvent qu'il ne donne pas de nouvelles. Ouais, mais là, disparu sans nouvelles, que ça soit par mail ou par message, par tout ce que tu veux, et aucune nouvelle. Même Miziki ne sait pas où il est. Oui, et la police le recherche, du coup. Oh là là. Vous avez vérifié la Happy House? Tout, je sais pas. Après, c'est le boulot de la police de le chercher. Ah bah oui, effectivement. Nous, on mais peut non, juste non, demander il a, aux gens. Il a un logement. Ouais, il a un logement et ah bah oui, mais la dernière fois qu'on a discuté, il ne le payait pas vraiment. J'ai l'impression que c'était plus Victoria qui le payait. Parce qu'il n'était pas là pendant longtemps. Et puis ça, oui, je pense, ça c'est quand c'est une affaire entre eux, je pense. Oui, c'est ouais, voilà. Discrétion. C'est leur couple. On peut. C'est voilà. Mais oui, oui, j'ai eu des nouvelles de Vicky qui m'en a parlé. Du coup, tu risques peut-être de te faire convoquer à la police. Oh là là, ça va me retomber dessus? Non, ils vont me poser des questions, c'est tout. Certainement savoir quand est-ce que la dernière fois tu l'as vu, dans quel état il était, si... Enfin... Ah, il était pénible. Oui, enfin, je pense plutôt des détails plus... savoir s'il y avait des choses inquiétantes qui auraient pu signaler sa disparition, ce genre de choses. Je pense que la police vont peut-être essayer de savoir si c'est une disparition volontaire ou peut-être pire. Alors là, ça va être compliqué de vous répondre, comment dire Moi, à peu près tout par rapport à lui m'inquiète, donc bon, j'essaierai de donner un maximum de détails. C'est ça, tu verras en fonction des questions que le LSPD te posera. Ça marche. Du coup, si tu veux récupérer le taxi, on va te montrer. Oui, parce qu'en plus, finalement, il faut que j'aille m'occuper des taxes. Bah oui. T'es le seul patron ce soir? Oui. Ah oui. Ouais, pendant deux semaines, c'est le seul patron. Ok. Hop, c'est par ici. Ah oui. Ah. Ouais, parfait. Oui. Je le répète parce que, ma chère June, vous n'étiez pas là, mais vous êtes tout simplement génial, les meilleurs. Bah, c'est la moindre des choses, quoi. Ça serait embêtant qu'il soit récupéré pour faire des bêtises. Oui. Oui, effectivement. Bon. Ou pire, voler pour une rançon. Ouf, oui. Alors, je connais les comptes des taxis, c'est pas avec ce que vous avez qu'on peut vous demander une rançon. C'est compliqué, hein, c'est... Ah, ouais. J'ai réussi à faire rire Michael. Non, c'est moi qui rigole. Ah, pardon, je pensais que j'avais réussi à faire rire Michael, pardon. Non, je pense que là, l'état des comptes doit peut-être le tirailler un peu. Pourquoi c'est si la merde que ça dans le compte des taxis? Mais non, c'est une boutade.
Ah non, c'est pas du tout la panade. Hein. Oh bon, ça va là. C'est un peu terrible quand même. Oui. selon tes critères, Michael, effectivement, ça doit être terrible. Oui. Disons que le côté positif, c'est que vous êtes l'entreprise qui paye le moins de taxes. Est-ce que vous pouvez me ramener au LSMS pour que je trouve un coin à me poser en PLS, mon cher Gabi? Bah non, on doit aller au bureau. Ah oui, pour les... On a des trucs à faire. On va libérer le taxi. Bon bah, je te rejoins. Moi, je vais aller chercher ma voiture. Parfait. Eh bien, à tout de suite. Et soyez prudent. Ah bah, oui, toujours. Mais là, c'était par exemple en faisant le plein. Moi, je fais attention, mais je n'ai toujours pas mon PPA. Ça explique où était le taxi. D'accord, tout est clair. Oui. Alors, les taxis sont là pour vous, c'est... Ouais, question de point de vue, là. Ouais. Au pire, ferme l'entreprise ou mets-la en pause. Si je mets mon entreprise en pause pile à ce moment-là, ça va être quand même... Justement, très drôle. C'est très drôle. C'est très, très drôle. Faut un petit peu d'humour, Michael. Tiens, regarde, si t'as pas envie... Si t'as pas envie, moi, je le fais. Génial. Nickel, le sens du timing. Voilà. Exactement. Non, mais on va pas prendre des courses alors que tu viens de te faire braquer. C'est pas... Non. Faut jouer à la sécurité, là. Effectivement. On va éviter de se faire braquer, que je me fasse braquer, parce que moi, si je me fais braquer, c'est... Bah déjà, ils auront un sac à patates avec eux. C'est-à-dire ? J'aime pas les armes, Michael. Oui, je pense que du coup, Gabi, il est juste inconscient pendant toute l'opération. Ah, voilà. Ah. Je fais des malaises quand on me braque. Ah oui, c'est terrible. Bah, c'est la phobie des armes. Bah, du coup, ça marche dès que t'aperçois une arme ? Bah, ouais, dès que j'en vois une, je me mets à paniquer, je cours dans tous les sens. Et du coup, si tu la pointes vers moi, bah, après, je vois blanc et fini. Donc là, par exemple, celle à la ceinture de Charlotte, ça vous embête ou pas ? Quoi ? Du coup, il vaudrait mieux la regarder ailleurs. Mais... Il l'avait pas remarqué, Michael ? Mais je la porte tout, je l'ai tous les jours. Oui, mais je pense qu'avec mon t-shirt, il l'avait pas remarqué. Qu'est-ce que justement. Je fais ? Je l'attends ou je pars, moi ? Bah, je vois où il est, mais... oh, bon sang. J'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. Oui, Michael, généralement, quand une personne a peur de quelque chose, faut éviter de lui pointer du doigt. Oui, mais il bougeait pas et moi je comprenais pas. Ah oui, mais c'est bien noté. Oui. Mais Michael, j'ai une question à te poser. Oui. Alors, est-ce que jusque-là, t'as été confronté à ce genre de situation ? Des prises d'otages ? Non, ce genre de situation où tu rencontres des gens qui te parlent de leur peur, ce genre de choses. Ils te font part des sentiments qu'ils éprouvent, ce genre de trucs. Non, pas vraiment. C'est une première ? Non, pas vraiment. Il y a quelques personnes, mais c'est... Pourquoi ? Vous aussi ? Non, c'est juste qu'en fait, j'ai cette impression parce que... Bon, je parle à des gens en ville, et il y en a beaucoup qui disent « Ouais, Michael, il est froid, etc. » Mais moi, je pense que c'est surtout de la méconnaissance. C'est que, justement, tu es confronté à une situation nouvelle, et forcément, t'apprends. Ah bah oui, j'essaie d'apprendre, mais on ne m'explique pas pour le PPA. Heureusement que, tu m'as expliqué, parce que... Et c'est pareil, pour les quartiers sud. Ah oui. Moi, j'avais cru comprendre qu'il n'y avait que les ATM, mais en fait, il y a une supérette aussi. Oui. Mais moi, je pense que tu as encore beaucoup à apprendre, Michael, parce que je pense que sincèrement que tu es une bonne personne. Ah bah, oui, et je pense que les gens, ils l'ignorent, c'est tout. Ça, on est bien d'accord. Ah, ok. Mais là, je vois le docteur Lexi en ce moment. Justement pour ce genre de problème. D'accord. Enfin, j'espère que ça ira. Parce qu'en tout cas, si les autres ne croient pas en toi, Michael, nous, on croit en toi. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir. Bah, tant mieux. Ça me fait plaisir, mais alors du coup, il va falloir que j'aille voir pour les taxes. Ouais, parce que Jessie, ils doivent se demander qu'est-ce qui s'est passé. Ah non, du coup, ils ont su. Ah d'accord, bah tant mieux.
J'aurais dit que je serais là dans 15 minutes. Il y a 12 minutes. Bon, très bien. Eh bien, à plus tard, ma chère Charlotte. À plus tard, Michael. Sois prudent. Ah, si vous retrouvez Gabi, si tu retrouves Gabi, n'hésite pas à lui dire de... Ah, t'inquiète pas, on le renvoie directement au taxi. Parfait. Nickel. faut lui donner l'adresse au cas où. D'accord, bah pas de soucis. Ah oui. Faut plus me faire ça, Michael. Je regarde plus la ceinture des gens, moi. Ah bah oui, alors du coup, moi je pensais que vous l'aviez vu, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ah non, non, parce que je regarde plus les ceintures des gens, je sais qu'ils la portent tous, là. Ah non, pas tous. Oui, ah, pas tous. Ah, si ça peut vous rassurer, alors par exemple, moi je n'en porte pas parce que je n'ai pas mon PPA. Eh bah, tant pis, tu le repasseras dans un mois. Ah non, mais ça n'a pas encore été refusé. Là, j'attends ma réponse. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Ah, d'accord. Mais vous faites bien de me le rappeler. Je vais leur envoyer un message. Et du coup, ma promotion. Jeff, il t'a rien dit. Ah, parfait, ils arrivent. Ils devaient me promouvoir. Il faut qu'on fasse ça avant. Et après, on discute. Ok. Attends, c'est qui arrive? Alors? Alors, je m'en vais. Oui, je regarde le mur, hein. Tu me dis quand ils sont partis. Ok. Bien, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Probablement mieux que vous. Oui. Oui, j'ai appris pour ce que vous êtes arrivé. Non, mais je n'ai pas été blessé physiquement, seulement psychologiquement. Oui, je me doute. Bah écoutez, déjà merci d'avoir quand même accepté de faire les taxes pour ce soir, malgré ce qui arrivait. Ah bah c'est important. Oui, bien sûr, mais je veux dire, voilà, c'est pas... Mais c'est bien de notifier, effectivement. Exactement. Bah écoutez, je crois que c'est la première fois que vous faites les taxes. Alors,
techniquement la deuxième fois, parce que la première fois, mon cher Jeff n'était pas là. Mmh. Mais du coup, je vous avais fait la facturation comme je n'avais pas accès au... Et oui. Au coffre. Mais là, j'ai accès au coffre et du coup, je peux payer parfait. En liquide. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, moi, j'ai le code à vous donner. C529A. Qui est le code que normalement vous devez avoir. Je ne sais pas si Jeff vous l'avait donné. Non. Ok, bon, bah voilà, ça c'est un code qui est censé être, qui est censé nous identifier comme quoi c'est bien nous qu'on arrive. D'accord. Pour la petite démarche, en gros, c'est si la personne ne vous donne pas le code, ou vous donne un code complètement erroné, n'hésitez pas à le demander d'ailleurs. Vous donnez quand même les sous, pour pas vous attirer les emmerdes. Mais nous, derrière, vous nous prévenez tout de suite. Vous nous envoyez un petit message en disant, bon, bah voilà, il y a des gens qui se font passer pour vous pour récupérer les sous. Très bien. Ah, mais c'est une technique, c'est une idée incroyable. Tout à fait. Bah du coup, voilà. Et du coup, on était sur la somme de 2 900 $. Effectivement. Et les voici. Et parfait. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, bah, on va décaler. On a encore un petit peu de temps à aller voir. Oui, effectivement, il y avait un autre patron qui était en otage. Oui, oui. Bah écoutez, on vous emmène pas plus longtemps, on va décaler, et puis bah bonne soirée, bon courage. Et bah très bien, bonne soirée et bon courage à vous. Yes, merci. C'est bon, ils sont partis. Enfin, ils sont en train de partir. Ouais, j'attends qu'ils partent bien. J'ai l'impression que vous boudez, mon cher Gabi. Je regarde le mur pour pas paniquer. Ah non, si tu veux pas que je te claque entre les pattes, on va éviter que je les regarde. Ah non, mais alors, je ne vais pas vous juger sur ce genre de choses. Ils sont partis ? Ils sont partis. Ok. Compliqué d'avoir peur des armes. J'allais faire un trait d'humour, mais je vais pas le faire. Si, vas-y. J'allais dire, c'est bon, ils sont partis, maintenant il y a des braqueurs, mais c'est pour rien. C'est un trait d'humour. Bon, là, je vois qu'il n'y a pas de braqueurs. Oui, effectivement. Mais imaginez. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils t'ont pris du fric, c'est ça? Oui, bah les taxes. Ouais, les taxes. Apparemment, les taxes, c'est tout le mercredi ou le premier mercredi du mois, ou le dernier, parce que là, on est le dernier. Bref, en tout cas, c'est le mercredi. Ok. Bon, alors du coup, on peut aller dans le bureau. Allez, c'est parti. Le petit bureau, ton nouveau bureau. Ouais, je l'ai refermé, oui, effectivement. Terrible. Ah bah, alors le SPD hein, est en service maintenant. Bon. On ira les voir juste après. Oui, mais alors moi, ce que j'ai compris, c'est que oui, effectivement, je n'avais pas tiqué avant, mais il m'a quand même dit des choses avant de partir. Ok. Alors du coup, j'aimerais bien en discuter avec vous. Ouais. Parce que moi, de ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était partant pour allonger d'une semaine. Par rapport à une histoire de mon Chiliad ou je ne sais quoi. Ou de Puma. Et par rapport à ça? Oui, mais alors j'aimerais bien savoir le fin mot de cette histoire. Bah, ouais, tout ça pour une histoire de vie privée. C'est vraiment malheureux. Alors moi, ce qui est malheureux, c'est que je n'ai pas tout compris parce que j'étais, comment dire, concentré sur cette histoire d'Amaro. Mais moi, comme je l'ai dit, mais le truc, c'est que Gabi, il fait du très bon travail, donc je vois pas le... Alors du coup, il m'a expliqué une histoire de Puma, mais il m'en a pas dit plus. Parce qu'en fait... Alors après, vous n'êtes pas obligé de me dire non plus, mais du coup, je ne saurais pas... Il y a un soir où j'étais pas dans mon état normal, où j'étais pas bien. Et du coup, bah, j'ai dit à Jeff, cherchez pas à me contacter, je vais me balader. D'accord. En gros, bah, je suis pas là ce soir, quoi. Et bah, du coup, je suis parti à la montagne tout seul, parce que personne m'y emmène, du coup, je voulais aller voir. Et j'ai rencontré un gros chat, sauf que je savais pas que c'était un puma. Et après, il m'a bouffé ma gueule. Et après, j'ai fini à l'hosto. D'accord, terrible. Et du coup, il veut me rallonger d'une semaine rien que pour ça. Bah, je trouve ça complètement débile, du coup. Bah, c'est-à-dire que vous n'allez pas bien, donc vous prévenez. Et à côté, vous faites du super travail, et il veut... Ouais, mais c'est... Bah, c'est con pour lui, il est pas là. Donc...
Alors, du coup, alors moi, est-ce qu'il faut que je refasse un contrat? Non, il ne faut pas que je refasse de contrat. Par contre, je crois que j'ai des choses à vous donner. Des choses? Alors. Ah oui, parce que je réfléchis. Je réfléchis, mais attendez. Vous avez fait combien de courses la semaine dernière? Je sais plus, à peu près 200, pourquoi? Oui, c'est bien ce qui me semblait, en fait. Vous travaillez énormément. Bah ouais. Bon, écoutez, moi, je vais user de mon autorité. Hein. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Félicitations. Félicitations. Youpi! Ouais. Merci, Michael. Bah écoutez, un plaisir, parce que bon, je ne comprends pas cette... Bah moi non plus, hein, c'est ma vie privée et ils mènent ça au travail en fait. Bah surtout que vous avez prévenu qu'on ne vous contacte pas, donc pour moi vous avez prévenu... Ah ouais, je lui avais bien dit, me contacte pas, j'éteins ma radio, j'éteins mon téléphone, je m'en vais, je vais me balader. Bah voilà. Non, mais c'est surtout que... alors vous n'étiez pas là, mais il y avait eu une baisse de salaire parce que il y a un moment donné, il y a à peu près 2 mois, parce que l'entreprise avait des problèmes de fonds, mais plutôt que de régler le problème de manière différente, ils avaient baissé le salaire de tout le monde, y compris de ceux qui travaillaient bien. Et moi, ça ne m'a pas plu. Bah ouais, bah c'est normal. Hein. Même moi, ça ne m'aurait pas plu. Hein. Ah bah, bien évidemment. C'est-à-dire que vous faites le travail de 2-3 personnes et on vous baisse votre salaire comme à tout le monde. Alors c'est n'importe quoi. Donc vous faites du bon travail. Moi, je vois pas l'intérêt de dire non, on prolonge parce que... Comment dire? On prolonge pour une histoire personnelle. C'est pas... Bah, c'est ça. Sa réponse, c'était oui, mais on est une famille, t'as pas à faire ça. Bah, en fait, si, j'ai le droit. On est une famille, ok, mais j'ai ma vie perso aussi à côté. Comment ça, on est une famille, vous n'avez pas à faire ça? Bah, c'est ce qu'il m'a dit, en gros. Il m'a dit, t'as pas à éteindre ton téléphone et tout, et à me dire ça, on est une famille, on doit tout le temps rester en contact. Bon, va falloir que je lui parle, parce que... En gros, c'est ça sa raison, c'est parce que pour vous dire, hier, quand je l'ai vu par rapport à Maru et les excuses qu'il devait me faire, sa réponse n'était pas « on est une famille, il vous doit des excuses », c'était bah, « c'est pas mon problème ». Enfin, au bout d'un moment... je vais bon, te laisser aller voir les Speedy, je vais aller voir Vicky, j'ai besoin de lui parler. Très bien. Écoutez, par rapport à la disparition de Amaro. Parce que j'aimerais la réconforter un peu, tu vois, vu que c'est c'est son mec. Oui, c'est vrai. Bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Oui, bah maintenant avec cette histoire, moi je reviens de tous mes faits et gestes. C'est plus possible. Alors, hésitez pas à ne pas le faire parce que je vois pas l'intérêt. C'est vous dites ce que vous voulez dans l'entreprise. Moi, je peux vous dire que hier, après vous étiez là, donc je vais pas vous dire que j'ai mangé des sushis, vous le savez déjà. Je peux vous dire que avant-hier, bah, j'ai pas pu manger de homard parce qu'il n'y en avait plus. Donc voilà. Mais si j'ai pas envie de vous dire que avant-hier j'ai fait telle ou telle chose, bah, je vous le dirai pas. Ouais. C'est l'entreprise d'une famille. Au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Ouais. Surtout que moi, j'ai déjà géré plusieurs entreprises à Seattle et on m'a bien fait comprendre qu'il y avait le droit à la déconnexion. Ouais, bah oui. Alors, c'est terrible. Bon. Je vais voir Vicky. Et puis, fais attention à toi aussi. Ah bah, j'essaye. J'espère que tu l'auras, ton PPA. Ça te sera bien utile quand tu te feras braquer. Bah, c'est-à-dire que...
Ça dépend. En fait, ça dépend de la situation, parce que... Oui, bon, s'ils sont trois à te braquer, tu peux rien faire. Oui, même seul. Mais dans certaines situations, ça peut sauver la vie. Ouais. Imaginez une seconde. Vous êtes pas bien, vous décidez d'aller au Mont Chiliad, vous sortez de votre voiture, et là vous êtes face à un gros chat que vous ne reconnaissez pas, mais qui s'annonce dangereux. Bon, bah sans arme, vous pouvez rien faire, avec une arme, vous pouvez vous défendre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que j'ai rien pu faire. J'ai essayé de lui faire une prise de karaté, mais... Ah, ses oui. griffes étaient plus puissantes. Ah oui, alors ça pardonne pas. Bon, je vais aller speedy. Ouais, allez, à plus tard. À plus tard. Et vous restez en radio, vous restez pas en radio, moi, je vous avoue que je me pose pas trop la question, hein. Vous faites ce que vous voulez. Ouais, de toute façon, je suis en radio. Appelle-moi si t'as besoin. Très bien. Eh bien, le bonsoir. Vous avez... ça va plutôt bien, et vous? Ça va. En quoi je peux vous aider? Je suis Michael Peterson. J'ai été pris en otage tout à l'heure. Mmh.
D'accord. Donc c'est pour une déposition, j'imagine. Tout à fait. D'accord. On va juste attendre mon collègue et on va pouvoir y aller. Très bien. Quel est votre nom ? Et Anthony Barrett, 45. Très bien. C'est terrible parce que j'ai déjà du mal à reconnaître les noms. S'il faut se reconnaître les chiffres. Les chiffres, ça va être compliqué. Ouais, je sais pas. On va y aller ici, mon collègue de l'homme argent, il arrivera. Je vous laisse, monsieur. Très bien. Je prépare juste de quoi noter et ce sera tout. Parfait. Bon, avant toute chose, je vais quand même vous demander votre pièce d'identité. Très bien. S'il vous plaît. Que je ne commette pas d'impair sur le nom et sur le prénom. La voilà. Parfait. Et un numéro de téléphone, s'il vous plaît. 4405. Hop, parfait. Et bien, du coup, je vous écoute. Et expliquez-moi un petit peu comment ça s'est... comment ça s'est passé... Ah bah plus ou mal. Moi à base je faisais le plein d'essence à la station service qui est à côté du Weather News. Je ne sais pas si vous voyez laquelle c'est. Celle de Little Seoul. Tout à fait. De l'INSEE Circus. Et en tout cas je faisais le plein et deux personnes sont arrivées dans une sorte de véhicule rouge, une sorte de SUV. Ils m'ont braqué avec des armes de poing. D'accord. Et ils m'ont demandé de les suivre. Une sorte de SUV. Il était rouge ou il était noir, nacré rouge? Je crois qu'il faisait nuit, donc c'est un peu. Non, c'est bon. Pas de soucis. Bon. Désolé. Je crois qu'il était rouge avec un petit peu de noir, mais je ne sais pas si c'était le nacrage. Pas de soucis.
Mais après, voilà, il y avait deux personnes qui m'ont emmené. Arme de poing, du coup, vous m'avez dit. Tout à fait. Des armes à feu. Oui. De petit calibre, enfin, de pistolet. Tout à fait. Ok. Ensuite, je vous écoute. Et ensuite, ils m'ont emmené vers à la bijouterie, donc où vous m'avez effectivement trouvé. Ouais. Et là, si je me trompe pas, ils sont repartis et ce n'étaient pas les mêmes personnes qui. Enfin, comment dire, il y avait trois personnes qui nous attendraient à la bijouterie. D'accord. Et eux, ils étaient plus ou moins habillés en noir. Donc vous avez été récupéré par trois personnes habillées en noir. Est-ce que vous avez pu distinguer des signes distinctifs ou est-ce que vous avez vu s'ils étaient armés? Alors ils étaient armés et ça ils nous l'ont bien montré. Pour tout vous dire, puisqu'ils nous ont menacé avec des armes effectivement. Comme signe distinctif, je sais qu'il y avait une personne qui avait de longs cheveux blancs derrière un masque. D'accord. Mais elle avait un masque, quoi, donc le. Oui, oui, non, visage, non, évidemment. Je ne peux pas vous dire. Oui, non, non, mais pas de soucis. Et en tout cas, j'ai envie de dire que c'était la personne la moins agréable, voire la plus désagréable du groupe. Dans quel sens? Thank you.
Me revoilà. Pas de soucis. On en était au fait que la personne aux longs cheveux blancs vous avait mis un coup de pression en vous disant que j'ai bien envie de vous exploser la cervelle. Effectivement. Bon, après, elle a aussi mis des coups de pression à l'otage qui était avec moi. D'accord. Alors, j'ai oublié son nom. Un copatron. Axel Murdoch. Oui, tout à fait. Ok. Ok, ok. Et par la suite, bon, j'ai été agressé, on va dire, comment dire, psychologiquement, mais que ce soit par l'otage qui était avec moi ou eux, mais l'otage s'est excusé. D'accord. Il a fait remarquer que j'avais une tête à claque. Ah. Et du coup, bah, ils ont plus ou moins répété la même chose et c'était très, très désagréable. Mais après, lui, il s'est excusé. Il a dit que c'était pour détendre l'atmosphère. D'accord. Est-ce que par hasard vous avez entendu comment ils s'appellent, enfin des noms, des codes, j'imagine surtout, des noms de code, ou rien de tout ça? Je crois avoir entendu Mao, quelque chose comme ça. Mao. Mao? Oui. En tout cas, ça y ressemblait, mais alors pour tout vous dire, j'ai déjà. Je retiens pas forcément les prénoms, alors les noms de code, oui. C'est compliqué. Mais je crois avoir entendu Mao. Très bien. Est-ce que vous avez pu... Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Ils m'ont pris mes moyens de communication, mais ils me les ont rendus par la suite. Donc vous avez récupéré... Ok, hop, parfait. Est-ce que... Après, je n'ai pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Ouais. Je souhaite porter plainte. Oui. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez réussi à les attraper derrière. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Il faut que je vois avec 47 si. Attendez, ça me dit quelque chose, ce nombre. Emily Locke. Oui. Ah bah, est-ce que vous pourriez lui demander concernant mon autre... Mon autre plainte. Je vais l'appeler, ce sera plus simple. Tu es occupé ou pas?
Est-ce que tu pourrais monter à l'étage? Je suis sur un dépôt de plainte et moi j'ai une question et Monsieur Peterson a une question aussi à poser. Parfait, merci. Et elle arrive, allez. Parfait. Moi je vais avoir la réponse à mes questions. Pardon, je vais aller très vite. Bonsoir. Voilà. Ah oui. Bien, bonsoir. Plus rapide que les Clarisse. Question. Je vais commencer. Pour le dédommagement. Oui. Il était pris en otage ce soir, on est d'accord? Oui, c'est ça. C'est 2000 de base plus la moitié de trucs qui s'est fait voler qu'il a pas pu récupérer. Et du coup, il a pu récupérer ses moyens de communication. Donc, j'ai tout récupéré, ils ne m'ont rien volé. Donc du coup, si vous souhaitez dédommager, vous pouvez dédommager à hauteur de 2000$. C'est ça. Effectivement, oui. Je veux bien. Franchement, c'est OK. Mais OK. Et autre question? Et du coup, c'est question de Monsieur Peterson. Oui. Oui, effectivement, par rapport à l'autre plainte. Oui, je sais pas si vous avez vu, il y a un avis de recherche actuellement qui a été posté. Ah! Voilà, donc on recherche activement les gens qui sont responsables. Ah bah très bien. Voilà. Mais du coup, pas plus d'avancées depuis notre dernier échange. Ouais, c'est terrible. Voilà. Mais on est en cours. Ah oui, je n'en doute pas une seule seconde. Yep. Tu sais quoi, je vais directement donner l'argent comme ça. C'est okay. Fait, les 2000. Voilà, tu pourras noter qu'il a été dédommagé. Yes. Parfait. T'as quoi le numéro de la plainte? Merci à vous. Attends, je te dis ça, je regarde ça. Ils sont où les plaintes? Elles sont là. 252. Ok, merci. Eh ben, bonne soirée. Et bon courage. Bonsoir à vous. Au revoir. Et du coup, si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour moi. Parfait. Puis si jamais vous avez des choses qui vous reviennent ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter du coup. Ah, j'avais bien essayé de discuter avec eux pour avoir des informations, mais ils ne m'ont rien dit. Ouais, bon. Et ben je vous raccompagne du coup. Eh bien, Monsieur Peterson, je vous souhaite une bonne soirée. Bien, merci et bonne soirée à vous. Merci bien. Et bonne soirée. Ok. Bon. Je pense qu'on fait tout ça en même temps. Vous voulez que je vous laisse? Non, ça serait dommage. Vous voulez un compte à rebours avant de faire ça? Ouais, franchement, je vais en avoir besoin là. Enfin, après. Ok, tout le monde. Ouais, à 3. Ouais. 1, 2, 3. Il y en a un qui n'était pas raccord là. Alors, on va peut-être recommencer du coup alors. 1, non. 2, 3. Ok. Oh, il est très bien, non? Il est très bien.
Oui, allô? Oui? Oui, mon cher Gabi, vous n'allez pas reprendre le service? Non, pas ce soir. Très bien. Eh bien, c'est tout. J'ai envoyé un mail à Jeff pour lui expliquer la situation. Ok. Voilà, donc... Je lui ai expliqué avec des termes simples, donc j'espère qu'il pourra comprendre, mais dans tous les cas, pour moi, il n'y a rien à vous reprocher. Ouais, bah oui. Voilà. Bonne soirée à vous. Bah écoute, bonne soirée.